Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya. Salut à tous, on va recevoir Mister V sur le plateau de la WebRL TV. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mister V, c'est un podcasteur talentueux avec 170 000 fans. Il fait des podcasts super drôles, des sketchs et tout, il est vraiment bon, donc j'ai hâte de le rencontrer. Je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais en tout cas c'est un mec comme ça, donc vivement qu'on le voit. Mais alors mec, tu fais quoi là? Bah, je fais un confesse, ça se voit pas? Bah si, mais c'est fini maintenant, on fait plus de confesse dans la WebRL TV. Ah mais moi ça me manquait un peu et voilà, c'est mes toilettes, j'ai envie de faire un confesse, je peux? Bah ouais, mais d'ailleurs ça tombe bien parce qu'il fallait que je te parle d'un truc. Vas-y. Bon mec, ouais. T'as vu, Secret Story c'est terminé depuis une semaine. Ah bah enfin. Et je me disais... Attends, mais pause deux secondes. Toi, je réfléchissais comme ça, et je me disais... Bon, faut le dire, t'es quand même plutôt drôle. Ouais, je sais. T'as un bon contact avec les gens, tu t'intègres facilement. Et je me disais... Franchement, mais tu devrais faire Secret Story 6. Quoi? T'es sérieux? Mais jamais. Mais franchement, si, regarde. Comme ça, tu fais le jeu. Bah, tu te fais connaître dedans, tu montres que t'es comique, voilà. À la sortie du jeu, comme ça, bah, tu lances ta carrière. Tu deviens un comique, comédien, je sais pas. Et là, tu fais ton premier film. Et c'est moi qui le réalise. Et comme ça, ça lance ma carrière à moi aussi. Quoi? Attends, tu vas me dire, je vais m'afficher pendant 3 mois à la honte pour la famille, pour que après je sorte du truc et que toi tu fasses quelque chose sur mon dos, et je le fais que s'il y a une fille comme IM. Mais bon, des filles, des belles filles, il y en aura, ça c'est sûr. Mais c'est pas la honte, franchement, tu tapes pas l'affiche. Bah, attends, imagine un petit peu. Salut à tous, c'est Romek, j'ai 25 ans, j'habite à Ivry-sur-Seine dans le 94. Mon métier est très simple, faire rire les gens et mater les femmes. Alors pour gagner dans la maison des secrets, rien de plus simple. Je fais rire tout le monde, être ami avec tout le monde pour mieux les planter dans le dos. Et oui, pour gagner, il faut être un winner. Et mon secret, personne ne le trouvera. Mais j'ai pas de secret. Mais le secret, c'est accessoire. Regarde ce qu'a dit Simon l'autre jour. Et le secret, c'est accessoire alors du coup? Pour moi, ça a été accessoire. Ouais. Tu vois? Ouais, bon, Jus, je sais pas, laisse-moi réfléchir, viens, on finit le match, on s'en fiche, on verra. Réfléchir? En fait, le truc, c'est que, bah, je t'ai déjà inscrit, en fait. Quoi? Bah ouais, et ils vont bientôt te contacter. T'es sérieux, là?